Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure 100% sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. J'espère que vous allez bien, évidemment chez les Poufsouffles. Voilà, donc on va pouvoir du coup continuer notre aventure chez les Poufsouffles, les amis. Alors oui, au cas où, on va continuer l'aventure pour deux épisodes, comme ça on va pouvoir attaquer Serre d'Aigle cette semaine. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Du coup, voilà, au moins les trois épisodes chez Serre d'Aigle, comme ça on aura tous les persos, voilà, on pourra bien commencer, enfin, on pourra commencer un petit peu les persos au fil du temps. Et ensuite, les amis, et là, je vous l'avais promis, cette semaine, on s'attaquera, du coup, pendant quelques épisodes à la partie Gryffondor, et on va continuer Gryffondor pendant encore pas mal d'épisodes, quand on voudra un petit peu revenir chez les Serpentards, etc. On reviendra chez les Serpentards, etc. Mais voilà, au moins, vous êtes au courant. Donc, du coup, cette semaine, vous allez avoir, du coup, du Poufsouffle pendant deux épisodes, en comptant celui-là, du Serre d'Aigle pendant trois épisodes, et enfin, du Gryffondor. Voilà, au moins, vous êtes un petit peu au courant. Et du coup, let's go, hein, on va pouvoir continuer. Alors, souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué chez les Serpentards, évidemment. On est niveau 4, et oui. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à notre Poufsouffle, voilà, Nina Perassia. Nina, qui est le nom de ma petite chatte, K.O. et qui est magnifique, Pera T.H.I.A. C'est bon, je me suis pensé avoir fait une petite faute d'orthographe, mais non, ça va, j'ai eu peur sur le moment. Mais du coup, let's go, on va pouvoir du coup continuer, on va pouvoir continuer chez les pauvres souffles. Bon, il faut juste que j'ai commence à avoir l'imagination pour créer le personnage chez les Serre d'Aigle et le prénom. Et ouais, parce que j'ai le prénom, je l'ai pas encore du tout choisi. Donc bon, il faudra choisir un prénom, un bon prénom. Et toujours dans nos familles Perassia, évidemment. Donc ouais, il faudra juste que je choisisse un bon truc. Et du coup, voilà, nous voilà. Ah, si je sais, Inukai, et oui, j'ai trouvé. Alors du coup, nous voici dans notre salle commune. Ah oui, d'accord, du coup, ça arrive vraiment. Il faudra pas parler à du monde, donc au pire, soit on parlera à tout le monde, soit on arrêtera la vidéo un peu plus tôt. Donc voilà, donc on avait un petit peu exploré tout ça, si je dis pas de conneries. Donc, écoutez, voilà. Ça fait très Hobbit, hein, concrètement. Alors, par contre, du coup, ça veut dire que la fille qu'on a parlé dans l'épisode précédent, ça s'est reset. Mais ne vous inquiétez pas, on va y retourner. Et puis, voilà. Je crois que c'était, voilà, elle. Bon, on va choisir à peu près les mêmes trucs, je pense, hein, si je me souviens. Elle est majestueuse, n'est-ce pas? C'est ton hibou? Bon, ça, on connaît. Probablement à un de ses pauvres souffles. Après tout, les hiboux choisissent qu'ils fréquentent. Attends. Tu es la nouvelle élève de 5e année. Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. J'ai beaucoup de... je ne m'en fais pas. J'ai beaucoup de retard à rattraper, je m'en fais pas. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même, c'est habituel. Tu dois te sentir terriblement... mal à l'aise. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les Poufsouffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois, je me dis que je devrais être une Serre d'Aigle. Une Serre d'Aigle? J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora, au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Tu penses que tu aurais dû être une Serre d'Aigle? Tu penses vraiment que tu aurais dû être à Serre d'Aigle? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor, et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux chapeau magique avait le choix avec moi. Enchanté. Ravi d'avoir fait ta connaissance, Lenora. Bien sûr, au plaisir. Ah, donc du coup, il nous reste deux personnes. Par contre, qu'on n'a jamais parlé, enfin, qu'on n'a jamais vu dans l'épisode précédent. Eh ben écoutez, on va y aller, hein. Bah évidemment. Voir les deux personnes. En tout cas, leur salle de commune, je la trouve très bien. Par contre, ça fait vraiment très Hobbit. Hein. Se présenter à Adelaide. Bah, c'est elle, Duchesne. Et se présenter à Arthur. Oh, mon oncle, je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Je viens d'entrer à Poufsouffle, non? Je suis Adelaide. Ravie de Adelaide, pardon. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien? Oh, oui. Mais j'ai la tête ailleurs. À cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon? Oui, c'est vrai. Cette rumeur est vraie. Assez unique comme en rentrée scolaire. C'est terrible. De fou. Je suis ravie que t'aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée.
Est-ce que ton oncle va bien? Tu es sûr que tout va bien avec ton oncle? Oh oui, il voyage pour son travail, il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Eh bien, on va se présenter à Arthur. Ils sont en train de martyriser son, un animal ou quoi? Laissez le chat tranquille! J'arrive pas. Ah non, il est. Le chat est quillé en fait. Venez, bah là, il est parti. Non mais laissez-le! J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre, alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Pouf Souffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci, c'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout c'est une pute. Ceux qui sont magiques. Quel dommage, j'adore les créatures magiques, je suis d'accord avec ta mère. Mais non, quel dommage, j'adore les créatures magiques. Mais... Désolée de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringe-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. Tu as déjà eu un animal? As-tu déjà eu un animal de compagnie? Non. Ma mère est une moldue, et dès que le boursouf que mon père a ramené à la maison a mis sa langue dans son nez, il est retourné direct au magasin. Oh my god. Bonne chance, Arthur. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver le chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. La dernière recrue du pouf souffle est-elle enfin levée? Le professeur Weasley voudrait lui dire deux mots dans la salle commune. Ok, mais écoute, on va y aller. Il y a le dernier chat, le... Il y a... Ah, il cherche le chat! Eh, il est dessous! Il est vraiment dessous? Mais, il n'y a pas de chat dessous? Il n'y a pas de chat dessous? Bah, en tout cas, ça miaule, en tout cas, à mon avis, il devrait pas être loin. Ok. Par contre, du coup. Ah, il y en a partout des chambres. C'est tellement The Hobbit, mais vraiment. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Là, c'est pour la poudre de cheminette quand on pourra se téléporter. Bon, bah écoutez, on va pouvoir partir. Là, ça fait très Gilles de Roll Lockhart, mais en version fille. What the fuck? C'est un peu chelou, mais bon, let's go. On y va. C'est trop bien. Salut, Madame Weasley. How are you today? Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Hey, le livre. Et voilà. Truc important, très important. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. J'arrive, je vais aussi suivre le professeur Weasley. Bah, je réveille Yo là-bas normalement. Ici.
guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Un coffre. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Eh oui, on arrive. Je vais pas manger une pomme par contre. J'ai faim. Lancez simplement Réveillon au-dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Let's go. Page guide du sorcier récupéré, sorti. Livre de recettes des elfes de maison. Page guide. Ce livre, qui contiendrait des récréations originales de Helga Poufsouffle, rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Le défi du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. XP, ouvrez le guide pratique. Oh. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Défi. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez les pages guide du sorcier pour continuer. Guide du sorcier, alors chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé et détenues aux améliorations essentielles. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Ok. Alors par contre, on a quelques trucs à lire avant, hein. Donc les petites quêtes, évidemment. Voilà, qu'on connaît. Ensuite, les équipements qu'on va, okay, qu'on connaît évidemment. Les collections. Voilà, donc on va lire, on va commencer à lire quand même. C'est surtout les collections DLC normalement. Alors, cape de Merlin, une cape légendaire d'un bleu et or mystique. Tenue de mage noir, cette tenue convient aux personnalités qui recherchent le pouvoir à tout prix. Tenue d'élève qui soutient sa maison, le dos de cette cape bricolore est orné de la mascotte d'une maison. Tenue du professeur de sortilège, une élégante tenue lavande bordée d'or et de verre, estampée d'une broche en chêne et de serpent en argent, est inspirée par le professeur de sortilège et directeur de la maison serpentard préférée de tous. Masque de crâne à bec, ce masque en forme de crâne de créature à bec inspirera la terreur à vos ennemis. Lunettes d'œil du dragon en monture d'argent, ces lunettes monture d'argent légendaires vous donneront le regard perçant d'un dragon. Masque de magie noire, ce masque en forme de crâne est orné de filigrane en argent. Lunettes du professeur de sortilège, un ensemble de lunettes à lavande et or reflétant la nature ludique du professeur de sortilège préféré de tous. Gants de magie noire, cette paire de gants noirs comporte des rivets. Gants du professeur de sortilège, une paire de gants verts et dorés gravés d'un serpent argenté inspiré par le professeur de sortilège et directeur de la maison serpentard préféré de tous. Gavoche, ce chapeau grenat légendaire vous aidera à vous fondre dans la masse. Chapeau de mage noir, ce chapeau est porté par ceux qui pratiquent la magie noire. Couffin à pampil du professeur de sortilège, un couffi de couleur lavande orné d'une bordure dorée et d'un pampil suspendu reflétant la sagesse et, l'espièglerie du professeur de sortilège préféré de tous. Écharpe de magie noire. Cette écharpe est idéale pour ceux qui préfèrent voyager seuls. Écharpe éclair carmin. Cette écharpe légendaire de couleur carmin est ornée d'un motif éclair. Écharpe du professeur de sortilège. Une écharpe fantaisiste en lavande et or reflétant la nature ludique du professeur de sortilège préféré de tous. Ensemble de magie noire. Cet ensemble conviendra à tous ceux qui ont tendance à repousser les limites de la magie. Ensemble lilas. Cet ensemble légendaire est idéal pour ceux qui ont une charmante personnalité. Ensemble du professeur de sortilège, un ensemble ravissant comprenant un gilet couleur lavande et un nœud papillon semblable à celui porté par le professeur de sortilège préféré de tous. Évidemment, on est du coup dans les tenues absentes de changement d'apparence, d'équipement accessible depuis le menu d'équipement. Les apparences se déverrouillent en tant que récompense pour avoir réalisé des prouesses spéciales comme des défis ou des quêtes.
Voilà, et du coup, notamment les pages de Revelio. Voilà, des pages de guide de sorcier trouvées avec Revelio, révélant des informations intéressantes sur l'univers qui vous entoure. Les pages de Revelio peuvent être trouvées à Poudlard, à Préolard, ainsi qu'à des lieux précis à travers les Eklands. Et du coup, voilà, c'est ça. Bien, ben écoutez, voilà. Et on peut voir du coup les petits défis, les pages de guide de sorcier, récupérer les pages de guide de sorcier à Poudlard, donc 1 sur 2. Récupérer 2 pages de guide de sorcier à Poudlard, récompense d'apparence d'équipement, lunettes, ouais, on connaît. On connaît. Ben écoutez, let's go. On va pouvoir monter. Et après, ouais, non, on va bientôt s'arrêter là, de toute façon. Tac. Ah ah, il y a le fameux petit énigme. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette. Un placement de flammes de cheminée découvert grand escalier. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le rôle central. Vous avez découvert un point de déplacement rapide par la flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découvertes. Poudlard est divisé en 2 zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et le professeur, et abrite les salles communes de chaque maison, ainsi que la grande salle. Vous sélectionnez la grande salle pour continuer. Cette vue vous permet d'avoir toutes les flammes de cheminette disponibles dans votre zone. Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune de votre maison. Les flammes de cheminette grises révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. De côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques, tels que la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque pour continuer. Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez R pour faire tourner la carte et effectuez un déplacement rapide vers la flamme de cheminette ou du hall central avec Y. Let's go! Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Hall central, emplacement de flammes de cheminette découverte. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Une page de Revelio, quelque part par là, je crois. Elle était derrière. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège? Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal? Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour enseigner cette matière à nos élèves. Qu'est-ce que Préolard? Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Merci, professeur. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard.
Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Oui, c'est vrai. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisi. C'est un peu vrai. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Eh bien écoutez, avant de parler au professeur Fig, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 4 de notre aventure 100% sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard chez les Poufsouffles. On se dira à l'épisode 5, dans l'épisode prochain dans lequel on pourra déjà parler au professeur Fig, on pourra récupérer quelques pages Revelio et commencer à faire quelques trucs secondaires. Ici, il y a encore quelques trucs secondaires, surtout le niveau de la porte là-bas, intéressante. Et du coup, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 4 et on se dit... à l'épisode 5 qui sera du coup le dernier épisode concernant chez les Poufsouffles pour le moment, je dis bien. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Par contre, ça serait bien que elle regarde la caméra, please.